Bonjour et bienvenue au Centre scolaire communautaire Samuel de Champlain. Nous avons ici une école de maternelle à 12. En plus, on est marié avec le côté communautaire qui donne tout qu'un charme à cette institution d'éducation. Le Centre scolaire Samuel de Champlain permet à ma communauté de contribuer à un milieu dédié à l'apprentissage et au mieux-être dans un esprit de collaboration et de respect des différences. Chaque membre deviendra une apprenante et un apprenant engagé et équilibré. Soucieux de se surpasser et de participer activement à une société dans laquelle elle ou il pourra faire rayonner fièrement la culture francophone. Notre personnel doit avoir une conviction qu'ils sont là pour accompagner nos jeunes. C'est un privilège d'accompagner les enfants tout au long de leur éducation. La manière que le cours a été conceptualisé, c'est qu'il y a comme trois choses que les jeunes doivent accomplir pendant leur année. Alors, une chose qui est très importante, c'est qu'ils doivent donner 40 heures de bénévoles, que ce soit à l'école, que ce soit à la communauté, que ce soit des organismes qu'eux autres découvrent. Le cours de leadership, c'est important pour moi parce que là, j'ai la chance d'apprendre comment être mon leader puis d'avoir les expériences dans le leadership à l'école et ailleurs. J'ai eu l'opportunité de lancer un journal étudiant qui s'appelait le journal chez Sam. Aussi, c'est important pour l'école d'avoir ce cours parce que ça nous donne la chance de vraiment tisser les liens avec la communauté puis faire des choses pour avoir vraiment esprit d'école. Ce soir, le 14 avril, j'organise la soirée des étoiles ici au Centre scolaire Samuel de Champlain. C'est mon activité majeure de leadership. C'est un des cours qu'on prend à l'école. Et puis, c'est pas mal une compétition pour démontrer les talents des 5e année jusqu'à la 12e année de notre école. Donc, il y a une variation de la danse, du chant, il y a de la gymnastique, même du beatbox, toutes sortes de choses. Puis, c'est vraiment juste pour rassembler la communauté francophone puis démontrer les talents des élèves de notre école. Comment est-ce que ton chat October? Hein? Y es-tu bien? Oui? Communauté francophone de Saint-Jean. Nous, l'ARCEF, on est ici pas seulement pour Saint-Jean, mais pour toute la région de Saint-Jean. Donc, on parle de Grand Bay, on va jusqu'à Saint-Martin's et puis la vallée Kalmakasis. Donc, on est quand même assez ouvert sur le territoire. On sait qu'au mois de novembre dernier, on a eu l'annonce d'une école de maternelle à 5e année pour la vallée Kalmakasis. Donc, c'est un projet que l'ARCEF a appuyé depuis le tout début. Je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui, les besoins des francophones ont tellement grandi qu'on a besoin d'une autre école francophone dans le Grand Saint-Jean, dans la vallée Kanabekisis. Je trouve ça incroyable de voir à quel point on a une influence positive dans les communautés anglophones. On est dans un milieu anglo-dominant, mais on ne survit pas seulement, on fleurit. Puis je trouve ça bien de voir qu'on prend notre place puis que les gens réalisent à quel point on fait partie du Grand Saint-Jean, de la vallée Kanabekisis, puis qu'on est une partie importante de notre communauté. Cet endroit-là pour les jeunes, j'ai fait un sondage auprès des jeunes, c'était exclusivement pour avoir un autre endroit où aller décompresser, socialiser, autre que l'école. On a des sections dans la maison où il y a la section salon pour les jeux. Il y a une cuisine aussi, puis un espace qui est à l'accueil, qui est un petit peu plus tranquille, un petit coin tranquille où les jeunes pourront faire leurs devoirs et parler, échanger. C'est vraiment ça le but de la maison. Les jeunes qui ont donné, qui donnent de leur temps pour aider à des organismes mondiaux, il y en a que c'est très spécifique à l'école. Oui, j'ai organisé une activité qui s'appelait le vœu du silence. On restait silencieux pour 24 heures pour représenter les enfants qui n'avaient pas de droit, qui n'ont pas de voix pour se défendre. Ça vient toucher davantage le marché du travail. Nous avons une nouvelle initiative qui s'appelle l'École orientante. C'est une initiative qui touche tous les élèves de la 9e à la 12e année. Je cherche pendant au secondaire de permettre aux élèves, un, de mieux se connaître, donc développer leur connaissance de soi,
développer leur connaissance du monde du travail, développer leur connaissance du monde des études, donc ce qu'on entend par les collèges, les universités, les maisons d'enseignement privées, la formation à distance, et aussi comment arriver à prendre une bonne décision. Je me dis que ce sont des outils qui vont leur aider à être mieux positionnés face aux décisions qu'ils vont avoir à prendre. Tous les principes mécaniques d'une grosse voiture sont sur la petite voiture de course. On a des freins, on a le servo direction, on a le système de le système d'échappement, système d'essence, etc. Tous les systèmes sont là. Alors, ça répond quand même aux besoins du cours. C'est pas de la grosse mécanique, mais ça donne quand même une bonne idée aux gens qui veulent poursuivre dans les métiers s'ils ont des aptitudes pour faire de la mécanique ou non. On a certainement une approche plus personnalisée, étant donné le nombre d'années avec lesquelles on peut travailler avec nos jeunes. I'm an English teacher here at Samuel de Champlain. Dans le système anglophone ici à Saint-Jean, quand les élèves à une autre école vont être en train de lire Roméo et Juliette, nous autres, on le lit aussi. On est une école francophone, mais que nos élèves sont tellement forts en anglais, ça veut dire que nos élèves sont pas juste bilingues, mais beaucoup plus polyvalents. Ils ont plus de choix. On a plusieurs élèves qui choisissent, après leurs 12 ans d'éducation à Samuel de Champlain, d'étudier en anglais dans une université anglophone. Puis ils réussissent, ce qui veut dire que vraiment, ils sont prêts pour faire quasiment n'importe quoi. I have four children who are or have been at Samuel de Champlain, and the oldest two are now at Mount Allison University, and Delaney and Lauren are still here at Samuel de Champlain. Moi, je suis une anglophone. Je voulais plus pour mes enfants. Je réalisais aussi, comme un conseiller de ressources humaines, tous les bénéfices possibles pour les jeunes qui parlent des deux langues. Selon moi, c'est très, très important que j'ai donné à mes enfants les deux côtés de leur culture. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options qui s'ouvrent, même plus parce que j'ai les deux langues. Après un certain nombre d'ans d'être à l'école, tu deviens comme une grande famille. Cette approche personnalisée nous permet de vraiment accompagner nos jeunes. On n'est pas là pour les juger. On n'est pas là pour les discipliner. Il faut quand même en faire. Mais on est là pour vraiment les accompagner de la maternelle à la 12e année. On a une beaucoup plus grosse collection qu'on aurait si on serait juste une bibliothèque scolaire, parce qu'environ deux tiers des budgets de livres viennent des bibliothèques publiques. On est ouvert après l'école aussi, puis les jeunes viennent faire leurs devoirs. Oui, c'est ça. Puis aussi, ça nous permet de faire plus de rencontres d'auteurs, parce qu'on en a quand même qui viennent à travers l'école, mais on en a aussi qui viennent à travers les bibliothèques publiques. Les gens de Granby nous ont reçus de cette manière-là, et la première fois que je me suis revue, je vous dirais, c'était vraiment dans leur regard à eux. Et donc, je suis arrivée au Québec non pas en tant qu'immigrante, mais vraiment en tant que, comme si j'étais une enfant adoptive, là, que tout le monde attendait l'arrivée depuis très longtemps. Promenade. La ville prend vie. La ville et son sang qui roule de boulevard en artère, en la highway, puis ses traffic circles. De quelque chose de simple, de quelque chose de quotidien, parce que tu parlais tantôt de l'expression du quotidien au niveau de la poésie. Pour moi, il y avait quelque chose de très important là-dessus. Moi, je prendrai jamais la plaine. Je prends des marches. Entre Hildegard puis la Maine, le jour ou la nuit, ça passe le temps. Je pars le matin avant qu'elle se réveille. C'est ça, ce personnage-là, il est pas malheureux, il est très heureux, en fait. Il est très content, il est très satisfait avec ce qu'il a. C'est simple, c'est pas compliqué, mais c'est tout ce qu'il a de besoin. Comment t'arrives à gérer jouer au hockey et puis étudier, là, parce que je vois que t'as tes livres de sortie, là? Ouais, ben, écoute, c'est pas facile vraiment tout le temps, là, mais la plupart du temps, c'est quand même bien organisé, parce que le matin, je vais à l'école de 9h à midi. Après ça, je vais pratiquer l'après-midi. Fait que tous les jours, je pose à l'école, sauf quand on est sur la route. Puis il y a Bernard qui est tout le temps là pour m'aider. Puis non, ça va bien en général. Cette année, je suis arrivé à 17 ans, puis je me suis fait prendre dans l'équipe. Là, Bernard est venu me voir, me parler de l'école pour me rassurer. Puis je suis né à Samuel de Champlain, puis c'est ma première expérience dans le junior majeur. C'est certain que nos jeunes vont faire des erreurs de parcours, et c'est correct. Et nous avons le privilège d'être là pour les accompagner lorsque ceci arrive. C'est ça,
qu'est une vraie éducation. Comme si je fais partie d'une intelligence collective. Il y a beaucoup de structures qui sécurisent les élèves. À l'intérieur de ces structures-là, on peut être créatif. Puis on peut être soi-même. Puis je me découvre avec les élèves en posant des questions, puis en allant chercher qu'est-ce qu'eux, ils vivent. Puis il y a un partage, puis un échange à ce niveau-là. Puis moi, je profite de un, de l'intelligence collective dont je fais partie. Puis deuxièmement, des élèves qui sont hyper créatif, puis on peut puiser dans cette force-là pour se donner une direction, puis se créer des objectifs, puis on les dépasse tout le temps parce qu'on travaille ensemble. Il y a une synergie entre les élèves, puis en tout cas dans ma classe à moi, je vois ça beaucoup avec d'autres enseignants dans l'école, avec mes collègues, on dépasse souvent nos objectifs parce qu'on croit dans l'enfant, puis les enfants ont le droit de parler, les élèves ont le droit d'être qui ils sont. Monsieur Éric Kennedy, qui a cette année publié un livre. J'ai rédigé dans mes temps libres un roman policier futuriste qui s'intitule Utopia et qui est paru aux éditions La Grande Marée l'an dernier, en octobre 2011. On a eu une très belle expérience quelques semaines passées d'enregistrement d'une chanson originale en français. Où est-ce qu'ils ont vécu, c'était quoi enregistrer une chanson? On voit toutes les autres dimensions de la musique. On s'en vient à la technique et enregistrer. Plus tard, dans l'avenir, j'ai l'ambition d'avoir un cours qui est offert à l'école ici, qu'on parle de technique, qu'on parle d'enregistrement et de studio et de mise en scène et des choses comme ça. Certains me demandent si c'est un défi d'avoir une école maternelle à 12. Il n'y en a pas beaucoup au Nouveau-Brunswick. On est parmi quelques-unes. Cependant, je suis convaincue que c'est un privilège d'accompagner les enfants tout au long de leur éducation. Nous apprenons à les connaître et nous travaillons ensemble pour les amener à être prêts pour leur vie au niveau du post-secondaire. Mon paradis, mon paradis.